c'est les Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un produit qui s'appelle Shock Twist de Gary Jones. Gary Jones, que vous avez dû voir dans la critique précédente, dans une des critiques précédentes, avec son Noctite 2.0 que j'avais beaucoup aimé. Bon, on va voir si Shock Twist, c'est du même acabit tout de suite. Alors, Shock Twist, c'est un Turning the Aces, je crois que ça s'appelle comme ça, où les As se retournent un par un. Ici, c'est avec des 10 ou avec n'importe quelle carte que vous avez reçue. Les cartes se retournent une par une avec un kicker. Voilà pour le pitch. Et on va voir ce que ça donne en vidéo. Alors, Shock Twist coûte 20€. C'est vraiment pas cher pour un tour. Et est disponible dans la plupart des boutiques de magie en France. Voici ce que l'on reçoit. Un DVD supra fin avec à l'intérieur la petite pochette plastique que vous commencez à connaître de chez Magic Tao. Ainsi qu'un DVD qui vous explique la routine en détail. Le DVD est bien tourné, facile à comprendre, même si on n'est pas anglais, ça se fait. La routine est très simple à faire, il y a juste un comptage Emsley, à savoir exécuter. Et pour 20€, bah écoutez, moi je suis pas déçu du tout. Une petite démonstration de Shock Twist. Alors ici j'ai un carré de 10 et je vais essayer de les retourner tous en même temps. Vous voulez que je le fasse de la manière facile ou de la manière compliquée? Facile. Facile, ça se fait dans le dos. Hop, c'est retourné, on est bon. Et ouais, pas mal. La manière compliquée, en fait, ça ne permettait pas de retourner les 4 10 en même temps, mais de les retourner un par un. Juste en claquant des doigts, le 10 de trèfle se retournait. En claquant des doigts, le 10 de pique se retournait. En claquant des doigts, si j'y arrive, allez Alexio, on peut le faire, allez, hop. En claquant des doigts, le 10 de carreau peut se retourner. Et je vais faire le dernier visuel. Vraiment visuel, vous allez le voir se retourner. Non, bon, c'est vrai que les autres se sont retournés aussi au final, quand même. Ah, tout de suite, hein. Mais ce que vous savez pas, c'est que là, vous avez vu que des doubles. C'était juste une illusion. Parce que si on regarde, toutes les cartes ont un dos différent. Et ça, c'est Shock Twist de Gary Jones. J'espère que ça vous a plu, et désolé pour le petit moment où j'ai un peu galéré, mais normalement ça se passe, il n'y a pas ça à faire, c'est juste que je suis nul. Pardon, à tout de suite. Alors, Shock Twist, les plus, non, on va commencer par les moins, les points négatifs, je regarde, oui, c'est un peu le problème de tous les tours de ce genre, c'est répétitif un petit peu. Mais bon, là, c'est vrai qu'en point positif, on a quand même le kicker à la fin qui change toutes les cartes de couleur et je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est juste un comptage Emsley à maîtriser, donc c'est pas compliqué. Il est expliqué dans le DVD en plus, donc c'est vraiment très bon. Et c'est pas épais, c'est 4 cartes, presque 4 cartes à transporter. Presque toutes les cartes peuvent être examinées. C'est comme avec Ace, quand j'avais fait la critique de Ace. 3 cartes sur 4 peuvent être examinées. Et 3 cartes sur 4 peuvent être examinées. C'est dur à dire. Et je trouve que c'est pas cher aussi pour un tour qui a son effet. Magic Tao, là, je suis vraiment satisfait de leur produit parce qu'ils sortent des choses et c'est pas cher, en même temps c'est bon. Donc on n'est pas déçu, on en a pour son argent et au final, il y a un tour qui fonctionne et qui va bluffer vos spectateurs. C'est ce que vous voulez quand vous achetez un tour. Donc voilà, pour moi, je vais mettre 3 cœurs parce que je suis pas convaincu de le transporter tout le temps avec moi. Je suis plutôt avec Ace de Richard Saunders, mais c'est bon, c'est pas le même tour. Mais niveau petit paquet, je suis assez restreint, donc peut-être pas celui-là. Mais en tout cas, il a du potentiel et il fonctionne parfaitement sur les spectateurs. Pardon, niveau difficulté, un Emsley, donc je vais mettre 2 étoiles, mais un Emsley, c'est vraiment une des manipulations de base de la magie des cartes. Donc, si vous ne le maîtrisez pas encore, il faut le faire. En produit similaire, il y avait Rainbow Connection, que je n'ai pas, de Mathieu Biche, qui coûte, pareil, 25€, donc enfin même un peu plus cher. Donc à vous de voir, moi je sais que je suis très satisfait de Shock Twist, je ne connais pas le tour de Mathieu. Après, je sais que Mathieu, dans sa routine, il expliquait, il montrait aux spectateurs le fait qu'il y ait des doubles dos ou des doubles faces, je ne sais plus. Et ça ne me plaît pas énormément, donc bon, moi, Shock Twist, ça me va, je reste avec Shock Twist. Voilà pour la critique d'aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Les avis d'Alexis sur YouTube, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne louper aucun avis à venir. Magitest sur Facebook, les concours, les critiques écrites et les avis évidemment. N'hésitez pas à aimer notre page pour nous montrer que vous nous aimez, qu'on n'est pas tout seul. Je vais bientôt, je vais décéder donc.
excusez-moi, n'hésitez pas à aimer notre page Facebook, magitesse.com, toutes les critiques écrites par mes camarades. À la semaine prochaine, bon week-end, bisous bisous. We'll be right back.